Bonjour. Il est venu le temps des émotions. Ce temps où on se révolte, où la colère, la peine, la tristesse, la détresse, le chaos sont apparus au cœur de la cité après ces événements dramatiques. Mais il reflète aussi combien nous savons peu vivre les émotions parce que nous sommes conditionnés pour contrôler, retenir nos émotions. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo parce que mon plus grand souhait est que nous laissions du temps à la tristesse, que nous laissions du temps aux larmes, que nous laissions du temps à notre cœur qui doit saigner. Une civilisation où on apprend aux gens à se fermer, c'est une civilisation qui crée aussi le désert chez l'être humain. Si je retiens mes larmes, je nourris plus ma terre. Dans le chamanisme, on est le monde. On est comme les sols. Si on ne se nourrit pas, on ne fleurit pas. Si, en ayant peur de souffrir, je sèche mon âme, je ne souffre pas, mais je suis tout seul et isolé. Et je crée des univers, une décision qui sont parfois inacceptables pour l'humain. Et aujourd'hui, on est dans un carrefour important. Parce que quand on a très très mal dans une civilisation où on n'apprend pas à traverser l'émotion, à la laisser apporter comme un orage et sa destruction et son côté positif, si on ne laisse pas vivre ça, qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe que la douleur fait comme une grande marée. Elle va au fond de vous. Elle vous déserte complètement. Et là, vous vous retrouvez calme, tranquille. Vous pouvez fonctionner, comme on dit. Et comme je peux fonctionner, je peux décider. Parce qu'il n'y a plus de douleur. Et c'est là où je pose la question. Quel choix vous faites quand la douleur n'est pas associée à vos actes? Quel choix vous faites, hein? Si je fais quelque chose de raisonnable, souvent mon cœur crie « Oh, je ne suis pas d'accord !» On dit « Oui, mais c'est raisonnable. » Est-ce que c'est vraiment le bon choix? Dans le chamanisme, il faut que tout l'être soit en accord pour que la décision soit prise. Il faut qu'il y ait l'équilibre entre le cœur, la tête et le corps. C'est pour ça qu'on doit laisser aussi aller la tristesse. Car au bout de la tristesse, quand on a passé la colère et qu'on arrive à la tristesse, eh bien, on n'est jamais très loin de l'acceptation. De l'acceptation de ce qu'on ne contrôle pas et du regard qu'on porte sur ce qu'on peut faire. Et on reste quand même des êtres vivants, des êtres émotionnellement vivants. Donc les choix qui sont faits sont des choix humains. Si on fait un choix trop vite par l'émotion et que c'est la colère qui doit entraîner l'action, c'est une erreur. Si on laisse aller la tristesse et qu'on arrive à l'acceptation, alors le futur geste sera un geste de sagesse. Mais si on déserte l'émotion et qu'on devient une terre de sel, alors la riposte va être difficile car elle va être factuelle. J'espère que nous allons laisser le temps de la tristesse venir chez nous et que nous laisserons les blessures couler en nous, pour pouvoir rentrer dans un regard du monde différent, où le cœur, la tête et le corps sont en harmonie dans la décision. Voilà, j'avais envie de vous dire ça, parce que nous vivons une période incroyable, où chaque fois que quelqu'un arrive à contrôler ses émotions, il pense qu'il est arrivé à mettre la souffrance loin. Mais comme un désert de sel, il devient. Et à ce moment-là, il n'y a pas un seul oiseau, il n'y a pas un seul animal, il n'y a personne qui vient le voir. Bien sûr, il ne craint plus rien. Il est un mort vivant. Au revoir.